je pense que ma nomination, comme porte-parole d'abord, puis ensuite comme ministre, a permis d'avoir le gouvernement que nous avons aussi aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, tous les prochains présidents ne pourront pas faire autrement que de faire plus de parité, plus de diversité, mais aussi plus de diversité, y compris sur les conditions sociales.